Bonjour les amis, bienvenue. Nous ne sommes pas en prison, rassurez-vous, au contraire, on est au pays de la liberté de l'art, la liberté des artistes, la liberté de cette belle galerie de la Porte Maubec qui chaque année nous surprend tout au long de l'année et en particulier l'été quand arrive la période un peu dense. Et regardez ce qui a attiré notre œil. Oh, une affiche comme celle-ci, un peu incongrue, a suffi à ce qu'on ait envie de vous balader dans cette très belle exposition, pilotée comme toujours à l'initiative d'un ami galeriste parisien qui ne sait pas faire sans La Rochelle et qui, dès qu'il trouve des choses un peu incongrues et insolites, nous les ramène pour la joie de tous ceux qui nous visitent. C'est Frédéric Roulette. Frédéric, bonjour. Comment vas-tu? Moi, j'ai comme un charme. Alors, de retour à La Rochelle. Ah ben oui, c'est un passage obligé maintenant. Vous ne pourriez pas faire sans La Rochelle, au moins un petit peu. Le rendez-vous est annuel et incontournable pour moi. Et à chaque fois, dans vos valises, des artistes qui nous surprennent. Donc, on aime vous suivre parce que c'est pas conformiste. Hein, mais C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et le thème est la liberté par les temps qui courent, presque. C'est clair. On doit caractériser Paella, faut bien le caractériser ainsi. C'est un artiste libre et iconoclaste. Alors cette année, Frédéric, deux lieux vous avez investi. Ça ne vous suffisait pas, cette porte-là. Porte Royale, Porte Maubec. Ouais. À la Porte Royale, c'est Anouchka Desseil. Oui, qui est déjà présente en fait à La Rochelle depuis 4 ans, qui était l'année dernière dans l'exposition collective du Radeau. Et puis on avait fait deux expos déjà. Ça m'intéressait qu'en fait on suive le parcours d'un artiste fil rouge en clair, puisqu'Anouchka était la première exposée à La Rochelle avec moi. Donc effectivement, elle est là-haut avec une série remarquable. Et puis on a invité Mimmo Pano, un poète complètement fou, dans des pouilles italiennes. Voilà. Alors lui qui fait quoi? Déclame de la poésie dans les expos. Déclamer là-haut, on s'en va déclamer là-haut. On a fait venir notre copine Axila qui vient spécialement chanter pour nous à La Rochelle en provenance du Sénégal. Et puis on va faire quelques petits événements. Il faut nous suivre sur Instagram. Voilà. On ira vous voir de toute façon à cette expo. Mais pour le moment, on est celle que vous consacrez. Alors venez voir les amis, regardez voir. On pourrait dire oh, bah, Paella, Pocconi ou Bataillon. Excusez-moi du peu, mais un bouquin, deux bouquins, trois bouquins, quatre. Mais Paella, c'est une des grandes figures qui émerge de l'avant-scène parisienne. Qui émerge... Il est espagnol d'origine. D'origine, il a grandi dans le 9-3 comme tout le monde, enfin comme moi en tout cas, et lui. Et moi, je le découvre à la fin des années 80, donc nous avons un parcours commun de plus de 30 ans déjà. Et comment le décrire? Il s'appelait d'abord Paella Chimikos. Exactement. Et il y a quelques temps. C'est un anagramme de son nom, en fait. Mais j'ai toujours appelé Paella, moi. Parce que, oui, il a déjà laissé tomber Chimikos. Alors, en même temps, la Paella, la chimie, pas terrible. Oui, d'ailleurs, le graphiste a fait une erreur. Il a mis Paella au pluriel. Donc, non, ne venez pas manger de la Paella, vous serez déçus. Alors, dites-moi, sur le thème de la liberté, on passe partout. Soit le support l'inspire, soit le thème lui-même l'inspire. Là, il n'est de performance qui n'engendre un sentiment d'infériorité. L'écrit est omniprésent dans le travail de Paella. Auparavant, quand il signait Paella Chimikos, il déterminait en fait l'espace d'intervention picturale. Hein, il entourait la toile. Et puis à partir de 2000, donc Paella Chimikos est devenu Paella point d'interrogation, car il est d'une grande humilité. Il est toujours en recherche de nouveautés, tant dans l'expression que dans son lien avec l'actualité et que dans sa recherche picturale pure. Et donc là, l'écrit est toujours omniprésent, donc quelquefois boutade, quelquefois plus profond. Des fois c'est un peu un télo, mais des fois c'est clair, ça cause. On a du mal à se faire plaisir, alors on prend plaisir à se faire du mal. Exactement, mais il a aussi été un travail très militant. On va découvrir son travail d'affichiste qu'il a repris sur des vaches. Et qui évoque le 9-3, on va en parler juste celle-ci avant qu'on décroche Frédéric. Plus on y réfléchit, moins on s'y reconnaît. Bah, vous avez des tas de gens de mon série un peu plus énigmatique. Ouais. Mais moi, j'en ai pas fait encore tout le. Je n'ai pas totalement décrypté. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Alors, c'est un hommage au Gréco. Il faut savoir qu'il a écrit un ouvrage remarquable sur le Gréco. C'est un grand érudit, Paella. Hein, c'est-à-dire que sa peinture est également nourrie. Ça peut sembler effectivement. C'est de la figuration libre, street art, etc. Il a travaillé dans la rue, mais il est inclassable et très, très, très cultivé. Son travail est toujours pétri d'histoire de l'art et d'une quête sans arrêt renouvelée de la chose picturale. Voilà. Comme les Italiens, on n'oublie pas sa racine artistique. Quand on était espagnol, le Gréco, il y a Velázquez ici. Ici, bien évidemment. Ah, on va montrer à la caméra, là. Oui, exactement, une merveille. Et puis alors, du coup, l'inspiration quand même de 109.3 CHLM, là. Donc là, il reprend des affichettes qu'il... À l'époque, il était très présent contre les lois Pasqua. Ça a été un des premiers aussi à militer pour le port du préservatif. Oui, Besan Futé, les amis, il est moderne, là-dedans. Ouais, et ça, on est à la fin des années 80, là, on est en 95.
Le temps des cerises, qui, ça aussi c'est pas mal d'actualité, c'est également 95. Mais il les a repris sur Bâche plus récemment parce que ça lui semblait être effectivement important de les ressortir aujourd'hui. Hein, voilà. Eh bien, ben voilà, les amis, je trouve qu'on on a le peintre avec nous. Bonjour, c'est vous qu'on fête aujourd'hui ici à La Rochelle ? On ne fête pas, là. Alors, moi, je trouvais ça sympa. Oui, mais merci. C'était Paella, votre nom, et Paella Chimikos. Alors, j'ai dit, ah, il a enlevé Chimikos, il n'y a plus Chimikos maintenant. C'est parce que, quoi, la chimie, c'est pas terrible ? Chimikos, c'est l'anagramme de mes noms et prénoms, et c'était ma première signature d'artiste avec un travail particulier où le personnage avait une tête de spirale. Et à partir de 2000, j'ai changé les règles de travail et ma signature maintenant c'est Paella point d'interrogation. Mais tout le monde m'appelle Paella depuis 40 ans. Voilà. Alors, Paella, entre le pays de Velázquez d'un côté qui vous nourrit, vous êtes espagnol, etc. Et puis tout à coup le 9-3 qui vous a porté. C'est pareil, vous pouvez pas faire sans les deux. Il y en a un qui est plus important. Ou... Oui, bah c'est ma culture. Enfin, moi, je suis fils d'espagnol, donc j'ai encore beaucoup de famille en Espagne. Mais effectivement, mes parents sont des migrants. Ils ont habité à Aubervilliers, donc en banlieue parisienne. Moi, je suis né à Neuilly-Plaisance. J'ai vécu longtemps à Pantin, comme Frédéric Houdette, le galeriste qui a engendré cette exposition. Donc, du coup, effectivement. La banlieue parisienne et la banlieue est, ça a nourri ma culture et mon rapport à la société. Et j'étais pas forcément dans des environnements qui étaient trop difficiles, quoi. Bon, j'ai pas habité à Courneuve, j'ai pas habité Saint-Denis ou des endroits plus difficiles. Mais effectivement, à la fois mon statut de fils d'émigré. Et cette enfance passée dans une banlieue où finalement toutes les cultures se mélangeaient, se côtoyaient et s'acceptaient telles qu'elles étaient. Bah, on était gamins et puis voilà, j'avais aussi bien des camarades de Madagascar, que d'Afrique du Nord, que quoi, et pour égyptiens, et de toutes les origines. Donc du coup, tout ça nourrit mon travail et mon rapport finalement au monde. Et je pense que ça peut se sentir quelque part dans le fruit de mon travail. La vie est faite de frustration, en particulier pour les artistes. Vous le disiez, on a envie de tout embrasser, mais en même temps, on ne peut pas parler de tout, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce que... Est-ce qu'il y a un sujet que vous n'avez pas encore pu traiter et vous dites, ah non, alors là, celui-ci, si un jour je dois quitter la planète, faut vraiment que je m'y adonne sur ce sujet-là. Il y en a un ? Je vois pas trop les choses comme ça. Je me mets pas de barrière ni de. On va avancer, on va voir aussi les œuvres. De fantasmes, de choses que je ne pourrais pas faire, mais parce que justement, je pense que je me permets d'aborder un petit peu toutes les thématiques sociales ou des rapports humains, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Après les histoires environnementales, le mal qu'on fait à la planète, le rapport à la nature. C'est plutôt par le biais des affiches que je crée, que je colle dans la rue, que je vais aborder les thèmes effectivement de l'écologie, de l'intermondialisme, de la politique politicienne, du capitalisme ou de la nature ou de la maladie. Donc ces thématiques-là, effectivement sociales et sociétales et universel, je peux les aborder plus facilement par l'affiche, parce que la peinture, finalement, ça s'adresse quand même à un public assez limité, et on a beau parler de la guerre et dire « halte, vive la paix », quoi, dans une peinture, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes. S'adresser aux gens dans la rue, déjà, ça peut éveiller un petit peu des questionnements citoyens. Sinon, sur les thématiques, j'ai pas de fantasme de... Oui. Et je pense que je parle des choses comme la mort. Mais la mort, elle peut être là. Par exemple, bon, il y a le thème de la vanité qui est un thème dans la peinture classique qui est souvent présent. Et d'ailleurs, dans la Grande Bâche, là, il y a une palette qui finalement est une anamorphose et qui rappelle un crâne. Et le crâne, c'est l'objet même du questionnement sur la mort et sur la vanité, être ou ne pas être, telle est la question. Et donc voilà. Et ça, c'est effectivement une problématique humaine très importante. Mais là, juste avant qu'on sépare, bon, l'Espagne, naître en Espagne, ça a de l'allure, vivre en France, ça a de l'allure. Est-ce qu'il y a encore un petit coin de la planète où vous dites, tiens, quand même, si j'avais le temps de poser l'encre, j'irais bien jeter l'encre là-bas? Oui. Ah, c'est sûr que ça, ça peut être un fantasme aussi, mais je suis pas très voyageur.
Je suis pas un artiste voyageur. Je pense que justement le fait d'avoir cette capacité quelque part de se projeter par l'esprit dans différents univers et les matérialiser par des images, ça me permet d'échapper au risque du voyage. Et c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de stable, paisible. Qui aime bien rester dans son coin, dans son univers, et puis justement s'imaginer un monde en essayant effectivement de parler du monde présent. Et Bon, Paella, merci en tout cas les amis. Moi, je vous invite à venir voir nombreux cette exposition. C'est à la Porte Maubec, c'est du 11 au 20 juillet. C'est Paella, anciennement Chimicos, mais qui n'est plus que Paella, mais ça nous va très bien. Et en tout cas, les amis, vous allez faire un espèce de voyage des yeux, du cœur, de l'âme. Si vous voulez vous sortir un peu de chez vous et sortir de vos gonds, c'est exactement l'endroit où il faut venir. Puis si vous alliez prendre la route des vacances avec pas d'imagination, bah, venez dans La Rochelle, on vous y accueillera volontiers. Voilà, merci. Les amis, je suis Mme Simonet. Ça vous plaît, Mme Simonet? Et puis vous, Daniel, là? Écoutez, regardez ce message, hein. Maxime, hein. Tous les sexes, tous les goûts, tous les parfums sont dans la nature, alors foutons-lui la paix. Bah, tout est dit. Tout est dit, c'est beau, c'est de la couleur, c'est la nature, hein. Et en tout cas, c'est la paix, c'est tout ce qu'on aime ici. D'accord avec ça, Mme Roulin? Tout à fait d'accord, et en plus, j'ai beaucoup aimé le temps des cerises qui est revenu, bien sûr. Hein, oui, les amis, c'est beau la culture. En tout cas, ça nous rend plus intelligents tous les jours et moins fragiles à toutes les agressions du monde. Bon, eh ben, écoutez, c'est ici. Et puis, vous avez, je le disais, une autre exposition que nous irons visiter à la Porte Royale. C'est Anouchka Desai. Passez de bons moments à vous cultiver. À très bientôt.